C'est un tournant historique au Canada après 9 années de pouvoir conservateur. Le futur Premier ministre est jeune, proche des classes moyennes et il veut accueillir des réfugiés syriens. Justin Trudeau et son parti libéral ont remporté la majorité absolue des sièges à la Chambre des communes ce lundi. Et puis surtout, nous avons rejeté l'idée que les Canadiens devraient se satisfaire de moins, que bien c'est suffisant et que faire mieux n'est pas possible. Stephen Harper, Premier ministre sortant, a annoncé sa défaite et sa démission de la direction du Parti conservateur dans la nuit de lundi à mardi. Justin Trudeau a proposé pendant la campagne électorale d'accueillir 25 000 réfugiés syriens avant la fin de l'année. La crise migratoire en Europe a eu un retentissement certain au Canada. C'est là que vit la tante du petit Aylan, retrouvée noyée sur une plage de Turquie. Et puis le nouveau chef du gouvernement s'est aussi engagé à légaliser le cannabis. Il avait surpris les Canadiens en avouant avoir fumé de la marijuana plusieurs fois dans sa vie.